Au lendemain des indépendances, les jeunes États africains, dont le Sénégal, mettront le sport au service de la nation. Convaincus des valeurs éducatives, de l'activité sportive, les responsables politiques encouragèrent les populations à s'y adonner. Par ailleurs, le développement du sport répond aussi et surtout au souci des politiques de favoriser l'émergence d'un sentiment national et l'amour de la patrie. C'est ainsi que le président Senghor, recevant les représentants du Sénégal aux Jeux de l'Amitié d'Abidjan en 1961, leur dira « Soyez honorés, aujourd'hui, vous qui avez honoré la nation ». Les Sénégalais étaient rentrés d'Abidjan avec 4 médailles d'or, 8 d'argent et 8 de bronze. Autant de trophées qui imposaient des devoirs en vue des prochains Jeux de l'Amitié qui se tiendront dans la capitale sénégalaise du 11 au 21 avril 1963. La politique internationale de la République du Sénégal est fondée, comme on le sait, sur le dialogue et la coopération, sur la fraternité. Nous nous efforçons d'être à la pointe du combat pour l'unité africaine et la solidarité internationale. Ces troisièmes Jeux de l'Amitié constitue une étape importante dans la réalisation de l'unité africaine. Avec 2500 participants provenant de 21 pays, ces Jeux vont donner aux nombreux athlètes présents l'occasion de livrer de belles prestations dans presque toutes les disciplines. C'est sur le terrain du lycée Maurice de la Fosse que les Lions du Sénégal vont affronter l'équipe de Côte d'Ivoire. Après une partie serrée, âprement disputée, les Lions vont obtenir leur ticket pour la finale sur un score très étriqué, 12 pour le Sénégal contre 7 pour la Côte d'Ivoire. En handball, l'équipe du Sénégal parviendra difficilement à décrocher la médaille de bronze face à la Tunisie. Après un début de match, largement dominé par son adversaire tunisien, le Sénégal va reprendre le jeu à son compte. Le score restera à égalité pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps, 3-3, mais finalement, le match tourne à l'avantage du Sénégal, qui marque un quatrième but victorieux, s'attribuant ainsi la médaille de bronze. En boxe, la finale la plus passionnante du tournoi oppose le Dahoméen Deco à l'Algérien Amar. Plus mobile, plus adroit et plus engagé, Deco domine son adversaire en gardant l'initiative pendant tout le combat. Autre stade, autre temps fort de cette édition des Jeux de l'Amitié. Le stade de l'Amitié, devenu aujourd'hui stade d'Imbadiop, accueille la foule des grands jours, venu assister à la finale du tournoi de football Sénégal contre Tunisie. À l'occasion, le président Senghor est venu encourager le 11 national. Pendant la première mi-temps du match, la Tunisie, qui s'était pourtant difficilement qualifiée face à l'équipe malgache, mène les opérations. Même se payer le luxe d'ouvrir le score.